Yo les gars, j'espère que vous allez. Pire introuvert. Bon du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez vu dans le titre. Qui de nous trois en gros je vous ai demandé sur Instagram, mon Insta, voilà, de me poser des genre pas des dilemmes mais genre de qui de vous trois se lève le plus tard ou des trucs comme ça. Bon c'est clairement parce qu'il y a la question qui est juste à côté et que du coup j'ai pas eu. Elle a eu la flemme. Ouais, je suis pas très créative. Qui de nous trois tient le moins à l'alcool? Au bout d'un verre, elle est bourrée. Et un verre de bière, hein, les gars. C'est même pas un verre de vodka. Hein. J'ai des antécédents familiaux. Qui de vous trois va sur les réseaux le plus longtemps? Oh, facile. Je sais pas en vrai. Moi? Elle est H24 sur son tel. C'est ainsi. Tu lui poses une question, elle te répond, mais elle sait pas pourquoi tu réponds. Elle, non, non, c'est pas forcément quand je suis sur le tel, ça. Si, c'est à chaque fois que t'es sur ton tel. À chaque fois. En vrai, je suis pas tant de ça sur mon tel. Ah si. Je pense que nous deux, ça se voit vraiment. Hein. Ouais, moi aussi, je suis beaucoup sur mon tel. Mais moi, je vois des jeux vidéo et tout. Mais pas autant de vues. Moi, des raisons. Ouais, moi, c'est que des réseaux en fait, parce que je parle à personne. Elle est trop sur TikTok. Elle parle à beaucoup. Moi, je parle pas beaucoup. Je suis tout le temps. Non, par contre, sur TikTok, j'y suis jamais. Ça, c'est un mensonge de fou. Attends. Je suis prête à parier 10 000 là que Adèle passe plus de temps sur TikTok. Ok, en fait, le truc, c'est pas 10 000. T'as le truc, t'as le truc, combien de temps tu passes? Comment on fait? C'est où? Pas mal, j'ai mon écran depuis. Comment on fait? Aujourd'hui, t'as passé 2h10 sur Instagram et t'as passé 1h55 sur TikTok. Mais ça, c'est dans la voiture, frérot. 1h55 on va comparer avec moi. Sur Twitter. Comment on fait? Quelle est ta pointure? Yes, y a pas compris le jeu, lui. Qui est la plus sportive? Je pense quand même que. Je pense c'est évident pour tout le monde. Je crois qu'il y a quand même un peu de niveau. Hein. Ouais. Adèle, on avait monté un escalier, était en mode j'en peux plus. Aussi. 3 escaliers, je suis morte. Qui de vous trois a eu le plus de relations? J'en ai pas eu beaucoup. Hein. Mais bon, c'est vrai, c'est bien. J'ai eu. Après, on n'est pas des filles qui sortent avec beaucoup de gens. Quoi. Ouais, moi non plus. Moi j'en ai eu 4. C'est toi là. Non, moi j'ai pas eu qu'un gars en plus de relations. J'ai pas eu qu'un gars. On parle de relations sérieuses. On parle d'un. Relation, ça veut dire quoi? C'est être en couple. Bah, relation, c'est qu'il y a eu plus de mecs sinon. Ah, c'est des relations. Ah, vous avez vu? Ah, c'est comme Adèle et Harry. Ouais. Bravo, félicitations. Oh, mais non, c'est comme Annick et Sharon. Bah, non, du coup. Bah, non. Qui de vous trois est la plus dépensière? Sharon. En fait, elle est dépensière pour elle-même, mais même pour nous deux. Elle nous fait dépenser, les gars. Je n'ai jamais autant dépensé que en étant proche de Sharon. Écoutez-moi bien. On n'a qu'une vie. Merde alors. Mais t'as pas vu l'iPhone? Mais l'iPhone, elle a des actions partout. Dès qu'elle veut qu'on achète, nous fait acheter un truc, on a l'impression qu'elle a des actions. Et mais est-ce que vous regrettez au final? Non. Non. Mais bah voilà. Mais je vais dans la banque, elle appelle. Écoutez, on n'a qu'une vie, mais on vit au-dessus de nos moyens. Après c'est nous qui voulons, elle nous force pas. Hein, oui, voilà, attention. Voilà. Non, après, je dis, oh, c'est sympa, j'ai des bons arguments. Allô, si Apple, si vous, je suis Apple Store. Je suis pas torchée, hein. Je suis fatiguée. Qui d'entre eux est la plus dragueuse? Je sais pas. Le truc c'est que des fois je suis tactile et gentille de base, donc des fois je vais juste être gentille avec un mec et il pense que t'es avenante. Et il pense que je suis avenante. Non, en vrai c'est juste que moi je parle à zéro mec dans mes messages, genre ils essayent de fouiller sur mon téléphone et tout. J'ai un pote à Lyon, il essaie de fouiller et il me dit mais c'est nul, il y a même pas un mec. Et elle, bah, elle est en couple depuis 7 mois donc enfin 7 ans. Tout à l'heure il y avait un gars mignon, ok, mignon. Il lui a demandé son Snapchat, elle a répondu instantanément et elle regrette. Je regrette un peu parce que je me dis en fait j'en ai marre d'être une meuf fermée. Bloquée. Je suis bloquée. Ouais. Mm. Tu voudrais que tu te. Je m'ouvre pas. Ouais, je m'ouvre pas. Je suis bloquée dès qu'on me drague, en fait ça me bloque instant. Même ces mecs je le trouve mignon, tu vois. Si je sais qu'il vient pour me draguer, c'est. Non. Et il le comprend direct, du coup bah, il m'approche plus et donc bah, je suis célibataire depuis 10 ans. Elle va finir à vieille avec des chats. J'ai tout redit, hein. Célibataire avec 3 chiens dans 50 ans. Hein. Bref, oh, qui de vous trois est la plus geek? Oh. C'est bien. Moi ouais, je pense que c'est moi. Vous me connaissez pas. Ah non, franchement, Harry Juliette. Juliette, elle rêve de Valorant et Harry, elle rêve de rejouer à Apex. Donc au bout d'un moment, moi j'en peux plus. Je suis avec deux geeks. Non, en vrai, Harry, parce que Harry, elle joue aussi sur téléphone et moi je joue pas sur téléphone. C'est vrai.
Ah ouais. Mais sur PC, je pense qu'on est nous deux en zone. Mm-hmm. Genre, on se couche à 6h du matin pour jouer. Voilà, mais toi, t'es plus, je dirais plus geek parce que sur n'importe quelle plateforme, quoi, même sur téléphone, t'es en train de jouer. Quoi. Moi, je pourrais être une semaine, je m'en fous. Voilà, en vacances, moi, j'ai pas touché un seul jeu. Mm. Arrête, Brawl Stars. Et là, elle était peut-être dans mon bain. Et Juliette, elle rêve de Valorant. Et moi, je rêve de retrouver mon PC. Mais bon, après, je vais rêver de vous retrouver vous, donc c'est chiant. Oh, c'est mignon. Qui de vous trois mange le plus? C'est moi. En vrai, elle est mince comme un clou et nous on est deux baleineaux. Mais après, moi je mange bien perso. Hein. Je mange bien, ma fessie, hein. Je clignote tout le temps. Et tu me vois bien, t'as vu tout ce que j'ai mangé cette semaine? Ouais, tu sais que moi je mange que le soir. Je mange jamais le midi, non. Mais je mange pas le matin et je mange pas le midi. Moi je finis tout le temps tout ce que je prends. Hein. Tu manges pas beaucoup. Jus, elle mange comme pas possible. Elle est grosse. Elle mange rien. Et moi je mange comme deux. Après, moi c'est surtout à cause du stress et tout. Genre, il y a eu le confinement et tout. Il y a eu pas mal de choses. Tu regarderas comme elle est la. Ouais, déjà, t'étais malade. Qui de vous trois est la plus bordélique? Moi, bordélique? Tu laisses traîner tes affaires. Où ça? Donne-moi un seul endroit. À l'appart, vous deux, vous êtes les deux bordéliques, quoi. Vous laissez les deux. Je crois que c'est les affaires de Adèle. Hein, parce que moi, je déteste vraiment. Bah, arrête. Quand j'ai une affaire à moi qui traîne. Ah non! Et autant pour moi, ce matin et tout, on a rangé les affaires et tout. J'étais les avis rangés. Adèle, c'était pas. En fait, je mets tout dans Adèle. Ma valise. C'est Adèle qui a toutes ses affaires. C'est... Excusez-moi, Adèle, en effet. Excusez-moi. Je me suis mélangée, Adèle, en effet. Hier, non, c'est ce matin quand on est parti et tout. Nous, on a fait nos valises en 2-2. Adèle, c'était dans tout l'appart. C'est... Laisse tomber le truc. Donc, Adèle. Qui de vous trois est la plus tête en l'air? Je sais pas, en fait. Ah ouais? Mais à chaque fois. Erigan, elle a pas capté le champagne tout le temps. Ah ouais? Elle est jamais foutue. Je suis trop naïve et je suis trop tête en l'air. Ah, par contre, naïve, c'est clairement toi. Ouais. C'est la naïveté à l'état pur. Tu me dis, pour toi, je suis trop gentille. Et je suis son bouclier. À chaque fois, je dis, mais il te manque là. Ou, t'as gagné l'ambition. Ah bon? Qui de vous trois est la plus gourmande? J'hésite. Hein. J'ai hésité entre toi et. Parce que on est de tous les deux. Moi, je vois du chocolat, je me dis, pas mal. Non, c'est quand même Adèle. Genre, en fait, toi, t'as l'envie à chaque fois, genre quand tu vois un truc, t'es en mode, mais tu manges pas forcément, tu vois. Alors que elle a l'envie et elle le bouffe. Non, bah, qui de vous trois l'accent du sud? Plus les jurys passent et plus l'accent il revient. Alors, et surtout quand elle est fatiguée, Léa. Et Romain, tu veux du pain ou pas? Je suis fatiguée. La peau de ta mère. Les calanques, je sais plus ce que t'as dit. Les calanques de Marseille. Mais en fait, c'est quand je reviens à Cassis, vers Marseille, genre je comprends l'accent. Quand tu parlais avec le mec sur le bateau. Deux sudistes. Qui de vous trois y allait le plus loin dans les études? Pourquoi tu me manges? Moi je suis allée en première année post-bac. Voilà. La même, et tu sais qu'on a fait le même bac. On a fait le même parcours. Moi je suis allée en L, je suis allée en littérature, ça m'a fait chier, du coup je suis partie en première. Et je suis allée faire une première communication visuelle et puis média. Et Adèle a fait la même. Je suis allée en L et ça m'a fait chier, et je suis partie en communication. Et après j'ai fait un an de DENMAT. En fait c'est une licence d'art. Une mana? Non, ils ont plus la mana, ils ont enlevé la mana. Et les BTS. Maintenant, ça s'appelle des DENMAT et c'est en 3 ans, c'est une licence. J'ai fait une année, moi je voulais faire infographie et ils nous ont fait commencer sur du Wix. Du coup, j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est vraiment de la merde et je suis partie, j'ai commencé mon entreprise. Moi j'ai fait une fac d'histoire pour. J'ai validé ma première année pour après aller en histoire de l'art parce que à la base je voulais faire une école de 3D. Mais quand mes darons ils ont vu que l'école 3D c'était 8000 euros la première année, que c'était 5 ans et que plus tu passais et plus c'était cher, c'était 8000, 10000, 12000, 15000. Ma mère elle a fait. Je suis pas allée à la fac, c'est gratuit. Du coup, j'ai fait une fac d'histoire. Après, en deuxième année, je me suis spécialisée en histoire de l'art et j'ai arrêté en deuxième année. Bah, c'est bien. Bah, moi, j'ai fait bac S, IUT. IUT info et gestion. Ça, juste parce que j'ai fait un bac. Non, vas-y, meuf. Vas-y, continue, Philippe. T'as fait un bac quoi, du coup? IUT informatique et gestion. Licence de management et master maintenant en 2 de gestion d'entreprise et tout. Et tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Bah, mais en vrai, je veux juste créer mon entreprise en vrai. Genre, tout ce que je fais dans le stream et tout, je veux juste investir dans une entreprise. Voilà. Ça va t'aider, hein. Ouais, des trucs comme ça. Qui est la plus à la pointe de la mode? Ouais, mais la mode, c'est des définitions pour tout le monde, tu vois, c'est différent. Ouais. Alors, je sais même qui aime bien s'habiller? Moi, je me fais chier à m'habiller, ça me gave de choisir mes vêtements tous les jours. Je pense le plus, c'est Ju. Parce que tous les jours, elle me présente des tenues, elle me dit, ouais, c'est mieux quoi, celle-là ou celle-là? Donc, je pense que c'est plus. Non, c'est juste que je sais pas m'habiller et que je voulais faire un effort. Moi, je pense que c'est toi, c'est Harry. Hein.
Donc, clairement Harry. Ah, je pense pas, hein. Ah, c'est sûr, certain que c'est sûr, toi. C'est sûr, hein. C'est toi. Hein. Je sais pas m'habiller non plus. Attends, mais les joueurs, ça change 8 fois de tenue. Oh non, j'aime pas ça. Je préfère ça. Et elle a 10 000 à te faire. Ah, aujourd'hui, je me mets quoi? Plutôt printemps ou plutôt été? Non, mais. Oh non, ça va pas. Hier, ça allait pas avec mon teint. Qui est la plus sceptique d'être le premier à mourir dans une apocalypse de zombies? Oh. Pourquoi? Je sais pas. Vous savez combien d'années de d'aïkido et tout j'ai fait? Hein? Et d'aïkido? D'aïkido. De ce, c'est un truc de défense. Mais j'ai, mais des petites. Pourquoi, et j'ai fait de la poterie aussi. Et j'ai kiffé faire de la poterie. Hein. Tu l'avais couru. De la poterie? Ouais, j'ai fait de la poterie. C'est quoi le rapport avec la... Bah, j'ai fait de l'aïkido et j'ai fait de la poterie à côté. Et c'était vraiment bien. Qui est le plus susceptible d'aller au concert de Justin Bieber? Oh! Arrête. Ouais. Elle aime Justin Bieber. Je t'ai fait cette question juste pour sa femme Justin, si tu passes par là, coucou. Je t'aime. Non, il est moche maintenant. Alors. Qui est la plus stressée? Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend, j'hésite aussi. Je pense à Harry quand même. En vrai, je pense Sharon. Moi, je stresse pour tout. C'est vrai que c'est ouais, trop fait pour rien. Genre, je vois quelqu'un qui va pas me sourire ou autre. Genre, des fois, je vais elle me sourit pas et tout. Je me dis, j'ai fait une connerie. Genre, j'ai mal fait ou autre. Je te jure. Oh, des fois, j'envoie des messages à Abby. Je lui dis, je vais elle est pas bien. Genre, j'ai fait quelque chose de mal et tout. Il me dit, non, t'es oh, conne. Ouais, t'es anxieuse. Mais après, Adèle, elle stresse pour des trucs. Genre, elle va vite se. Des broutilles. Non, pas des broutilles. Elle va vite se créer des histoires dans sa tête. Il y a un truc qui va pas. Elle va croire que tout ce qui se passe après. Elle va essayer de trouver ce qui va pas pour se monter la tête. Genre, tu sais, quand ça allait pas à Malte, à Cannes, c'est pour l'appart. Après tout ce qui se passait, oh, il nous a regardé, c'est trop bizarre. C'est la paranoïa aussi, ça. Ouais, je pense que t'es paranoïaque. Ouais, c'est ça, je suis paranoïaque de tout. Et toi, je le sais vraiment. Ouais, t'es parano. Mm-hmm. Et toi, t'es stressée. Mm-hmm. Moi, je suis un peu trop, je m'en foutiste. Moi, je suis là en mode chillé, bah les couilles. Mm-hmm. Qui de trois serait capable de faire Koh-Lanta? Moi, je kifferais, mais je pense que je serais un de la vie. Mm-hmm. Je pense que tu serais capable de faire Koh-Lanta. Je ne ferai jamais Koh-Lanta. Mais dormir en dehors de mon lit. Non. C'est pas la... Mais c'est sportif ça. Ouais, non. Ouais, voilà. C'est capable. On confond capable avec. Capable, c'est vous deux. Qui tiendra. Sportif, c'est moi. Voilà, ouais, je pense. Mais je pense qu'entre vous, tiendra plus ça, c'est moi qui vivrai le monde moins bien Koh-Lanta, genre. Et qui aimerait le plus faire Koh-Lanta? Non, moi, c'est Denis, je suis là. Non, un truc que j'aimerais vraiment faire et que l'an dernier sûrement il veut et je le ferai, ok? Pékin Express avec Romain. Je m'en doutais. Voilà, ça, ok. Et vous serez chaud à faire Pékin Express? Non, moi je peux pas. Je suis pas fan. Moi je suis pas fan de passer à la télé vraiment. Non, moi c'est pas pour ça. Perso, je suis pas très savoir où je vais. Ouais, pas ça, savoir je où pas. Je vais. Oh, j'ai zéro sens d'orientation. Je suis la pire. Je suis trop nulle. Qui de vous trois chante le mieux? Vraiment? J'en suis un mytho. Bon, déjà je chante les. Alors, what? Déjà. Le J c'est mort, je dirais Sharon. Moi je pense à Zvo. Ah ouais? Non mais tu m'as déjà entendu chanter? Ouais. Une démonstration? Johnny Well, Johnny Well. La TVG, la TVG. Oh la TVG. Tout le monde voulait la buter. Elle a fait du karaoké en live, toute la salle voulait la tuer. Tout le monde disait mais ta gueule Juliette. Qui de vous trois pue le plus des pieds? Alors je m'explique. J'ai mis un jour mes chaussures sans chaussettes parce que j'ai plus de chaussettes. Oui. Parce que je dois me justifier. Je dois me justifier parce que ça va pas être en vidéo, ok? Merci les filles. Il faut qu'on parle. Je vous explique. J'ai mis mes pieds sans chaussettes dans mes chaussures une journée et j'ai appris. Et après je mets mes chaussettes et ça pue. Ah! Revenez! Mais je jure, habituellement je pue pas des pieds. Hein. La vie de ma mère, je pue pas des pieds. Qui de vous trois est la plus grande en âge? Ah, mais ça, c'est des... Non, mais ils le savent pas eux. Ou t'as quel âge, Harry? J'ai 23 ans. Ah. 24. Bon, j'ai un quart de siècle, il y a quoi? J'ai 27 ans, oui. Juliette, t'as quel âge? Team 95. Et moi j'en ai 22. Mais on est nés la même année. En 98. Vous avez vu? Moi j'essaye de vous donner des informations. Mais il se fout de ma gueule. Je ne ferai plus de vidéos. C'est terminé. Qui de vous trois parle le plus? Bon les gars, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. En vrai c'était cool, vous avez appris un peu plus à nous connaître, à connaître la Mew Team. En tout cas c'était grave cool. On a passé des semaines de ouf. J'espère que vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Tata. Peace, bon. Peace et go follow la Mew Team sur Twitter. Ouais, voilà. Mew Mew.
Merde, pardon. Au revoir, bisous. Salut.